Bon, allez, à genoux, voilà, vous venez de bon, passer... Bon, allez à genoux, tu veux bon, dire allez ou... à genoux, allez à genoux. Vous venez de passer sur scène, voilà. Comment ça s'est passé pour vous? Bien. C'était agréable. Ouais. Il y avait d'énergie, c'était bien, c'est bien fait plaisir en tout cas. Ouais. Un public qui réagissait ouais. bien, c'était ah cool. Oui, c'est vrai que le public a été... Ça a bougé, ça c'était cool. Et du bon son, sur scène en tout ouais. cas pour nous. Ouais. Grand confort quoi, par rapport à ça. Et puis après, ben voilà quoi. Quelques petites. Petits imprévus. Incident dans les stands. De l'imprévisible. Allez, bon. Dans les stands, j'ai joué avec du Chatterton. Pas démarré. J'ai joué avec du Chatterton sur ma guitare. Parce qu'il y a un pas de vis qui est parti en début de concert. Une sangle Chatterton. Et en cours de concert, ma sangle a lâché aussi, donc j'ai joué avec un deuxième bout de Chatterton. Mais finalement, mes collègues ont meublé. Tu commences à être habitué d'un côté. Ouais, on aime bien les petits imprévus, comme ça. On arrive à trouver des palliatifs. Bon, cette finale du Big Jama, enfin, le Big Jama, qu'est-ce que ça vous a apporté là jusqu'à présent? Plein de choses. Plein de choses dans le sens où on a mis le pied à l'étrier beaucoup plus qu'avant et on s'est familiarisé avec d'autres méthodes de travail beaucoup plus poussées que ce qu'on faisait avant. Et puis pas mal de choses, avoir des retours de pros, c'est, mine de rien, ça fait grandir beaucoup. L'accompagnement. Le fait d'avoir des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, ça fait forcément avancer, donc c'est toujours positif. Après, ça nous a apporté un autre regard par rapport à ce qu'on faisait, quoi. Un regard différent que le regard artistique, et c'est vrai qu'on avait besoin d'un autre regard, de gens qui nous fassent regarder autre chose que l'artistique, quoi. Donc ça, c'était bien. Tu viens parler, Eric? Ouais. Moi, je suis parfait. Hein ouais. Bon, comment vous le sentez là, comme il a dit lui. Ouais, pareil. Comment vous le sentez du coup là? Faudra essayer de savoir. Hein, ouais. Pas savoir. De toute façon, les dés sont jetés. Non, nous, on a fait. Ouais, vous avez donné le meilleur de vous-même. Ouais. Voilà. Non, ouais. On est pas déçus. Je pense qu'on n'est pas déçus par rapport à ça. On a monté un bon dossier. On a pas mal bossé en amont. Maintenant, je pense que les autres ont bossé aussi, donc bah, on verra des ouais, bons. L'essentiel, c'est de se faire quoi qu'il arrive, on a déjà gagné un peu quelque chose, je pense. Mais... On a acquis plein de choses, et ça, c'est positif. Et puis voilà, quoi. On verra bien. Si ça rigole, ça rigole. Et puis sinon, c'est pas très grave, ça pleurera pas. Quoi. On sait très bien que les gens qu'on a connus aussi par le biais du pyjama, on peut les recontacter derrière, ils sont très ouverts pour nous filer un coup de peluche quand il faut, donc c'est toujours très bien quoi. Donc, bon, ça ouais. c'est intéressant. Il n'y a plus qu'à attendre alors. Le fait de participer, le fait de gagner nous ouvrira certainement des portes comme on le souhaitait pour l'été prochain, pour les festivals et tout. Mais ce qui est assez marrant, c'est que déjà rien que le fait de participer, bon on ne peut pas en parler encore tout de suite, mais il y a déjà eu des prises de contact. Pour l'été prochain. Pour l'été prochain, même un tout petit peu avancé pour certaines, pour des trucs vachement intéressants. Donc c'est déjà bien. Déjà beau. Après, ben, maintenant, la suite logique du truc, c'est l'EP. Et puis en décembre pour nous, donc après, ben, pour le public, je sais pas. On va essayer de faire. Si, décembre déjà. Du mieux qu'on peut pour que ça boite pas trop. Vite. Et puis voilà, quoi, au printemps, on va se remettre un peu au travail comme il faut pour cet été. Et puis, voilà, l'année prochaine, on n'aura plus qu'à faire un autre projet. Voilà, et ainsi de suite. Bon, bah, on croise les doigts pour tout à l'heure. Ouais, pour merci. Merci. Dans merci une heure, à peu ouais, près. Ouais, tout à fait. Après le set de Drone Urso qui a commencé. Exactement. Il semblerait que ça ait commencé. Ouais. Ouais. Bon, merci. Merci, merci. Merci bien. Ça marche. Le temps efface bien les choses, et qu'après la mousson, on fleurisse les roses, et qu'après la cassure, on passe à autre chose. Et qui sont tous ces gens qui vivent encore ici? Que trouvent-ils à la terre? Que trouvent-ils à la vie? Moi j'ai versé tant de larmes, et plus rien ne fleurit. Et dis-moi, il paraît qu'on peut encore sourire, on peut encore chanter, danser toutes les nuits. Je n'ai pas à rêver que tu es encore ici.